4 jours de nuit, 4 days of night. Donc nous sommes à au jour numéro 2, temps restant 8 heures. Donc on va faire 2 heures en une fois. C'est épuisant de jouer 2 heures d'affilée à The Long Dark sans mettre de gros blancs. Je suis pas vraiment ultra satisfait de la vidéo précédente. Aussi, je pense que cette vidéo va sortir en même temps que la première. Je m'excuse pour le temps en fait. Du coup, parce que, on a un internet de merde, donc, jouer au jeu, faire le rendu, mettre la vidéo sur YouTube, ça prend une après-midi entière, en fait. En gros. Donc, on va reprendre. C'est reparti pour deux heures de bonheur, 2 heures de froid. Buvons. Ah non, attends, il y avait écrit quoi ? Hurlement. Ah, j'ai cru qu'on n'allait pas voir le titre, oh, mon dieu. Ah, donc, calories, on est bon. Jour 2. Les loups sont revenus sur Great Bear Island. Restez sur vos gardes. Surveillez au moins 2 heures en temps réel pour progresser et obtenir des récompenses dans 4 JDN. Ah, donc on est reparti. Il est minuit. Il fait nuit, ok. Voilà. J'avais oublié. Donc la dernière fois... On va faire un petit résumé sur ce qu'on avait récupéré et ce qu'on va faire aujourd'hui pendant 2 heures. Donc nous avons des très bons vêtements. Alors, on s'est bien nourri, on n'a pas fait comme si on était en intrus, on a gardé les calories très hautes. Donc du coup on a bien nourri. Donc ce qui est bien, si vous avez réussi à ne pas mourir de faim pendant 72 heures d'affilée, vous êtes en pleine forme et vous pouvez transporter plus d'équipement. Vous êtes également plus à même d'affronter les épreuves physiques qui vous attendent. Par conséquent, votre état est amélioré. Donc on a... Quand ils disent... On peut affronter les épreuves physiques, donc c'est si on se fait attaquer en fait. On a, je sais pas, au lieu d'avoir 100 points de vie, on va dire que c'est une barre de 100. On a peut-être 110, je dirais. Voilà, un petit 110. Et nous avons 35 kilos, pardon. On transporte 35 kilos sans être en surpoids. Donc la dernière fois, nous avions récupéré des bons vêtements. Nous avons par exemple des bottes de ski neuves. Alors, extrêmement lourdes, mais bon, elles protègent énormément, faut avouer, elles sont quand même vraiment, vraiment bien. Les chaussettes, il faudrait trouver des chaussettes de... Je crois qu'il y a mieux, quand même, que les chaussettes en laine. Je crois qu'il y a beaucoup mieux. Les pantalons, ils sont pas bons pour le froid, ils sont vraiment pas bons, mais bon, c'est tout ce qu'on a. On a des vêtements thermiques, qui sont pas mal. Nous avons des chemises, c'est potable. Et ce qu'on a le mieux, c'est des vestes de ski et le caban. Le caban, 75% d'étanchéité. J'arrive à lire, moi. D'étanchéité, oui, c'est bien ce que j'ai dit. Coupe-vent, plus 4%. Là, on a plus 2... Enfin, degrés, pardon. Si on a du vent, on prend moins de froid. Honnêtement, on a des très bons gros vêtements. Mais après, il manque quelques trucs. Nous avons aussi trouvé une longue écharpe. Ça, c'est pour moi, c'est nouveau, personnellement. Jamais vu. Et après, on a une écharpe normale en coton. Donc, on est classe. Honnêtement, d'accord. Le pantalon, j'avoue, le pantalon, ça va pas vraiment avec les bottes de ski. Mais bon, bref. On a des très bonnes stats. On avait fait le tri aussi la dernière fois. Donc, nous avons tout ça. Nous avons tout ce qui est médecine. Excusez-moi. On a tout ça. Il nous en manque un, je crois. Enfin, bon, c'est pas grave. On a des allumettes de bois, on en a pas mal, donc je pense qu'on va les garder. On va prendre que les allumettes de bois, parce qu'on a plein d'allumettes en carton aussi, mais ça on s'en fout. On a pas mal de ressources, on a fait plein de café la dernière fois aussi. On a des balles, mais on n'a pas d'armes. Ouais. Café, tisane, et voilà. Donc niveau haut on a, niveau haut on est bon. Donc voilà, on est un peu lourd mais bon, ça va. Et on a ça. Donc on va partir. On va se balader. Je sais pas où mais on va se balader. On est plein, on a 2 torches à 100%. Jerrycan. 0,46. Est-ce que la lampe est au maximum? J'ai pas fait attention si la lampe est au maximum. On va prendre la lampe. On va la booster à fond. Yes, ok. Elle est pleine. Oui, elle est à 1 litre.
Du coup, on va pas prendre le jerrycan. On a deux torches. Ah, de toute façon, ça nous servira à quoi? On a deux torches. Enfin, quand je parle du jerrycan, je parle pas de celui-là, je parle de l'autre. Normalement, on a un deuxième qui traîne. Ah, bah voilà. Excusez-moi, excusez-moi. Sinon, ça va, vous avez tous passé une bonne journée? Ah, c'est bon. On va faire ça. Ok. On va se balader. On va se balader comme ça. On est à 31 kg, ce qui est très lourd. On n'a pas de bois, normalement. On a que 10 bois, ça suffit. Si jamais on veut faire un feu, on récupérera du bois au côté, sur les côtés, sur ce qui traîne. On a 3 litres d'eau et on a du café. C'est parti. Ok, c'est parti. Attendez, il faut que je trouve... Merde, ah c'est là. Ok, quitter. Alors avant ça, on va prendre du café. Oh, ce qu'on pourrait faire avant de quitter. Ce qu'on va faire même. Vous savez ce qu'on va faire. 5, transférer. 2, 3. Faire du feu, on va prendre ça. Voilà. Ah, très bien. Vous savez ce qu'on va faire. On va faire réchauffer du thé. Enfin, on va même faire deux thés en plus. Et on va le boire et après on part. J'ai pas envie d'utiliser les petits... 40%. J'ai pas envie d'utiliser les petites brindilles. Donc on va faire ça. Et du coup, on va directement... putain de merde. Ça compte. Come on, little fire. Oh mon dieu. J'ai pas envie d'utiliser une torche non plus. Et après, donc, on va faire bouillir notre thé. Et on va partir. Comme ça, on aura le bonus de chaleur. Voilà, tout simplement. Comme ça, nous aurons le bonus de chaleur. Et oui, c'est ça qui est important avant de partir. Donc on pourra aller plus loin. Toujours plus loin. Ok, 56 minutes, très bien. Ouais, on va en faire des extras. Voilà, 10 minutes. On a combien d'eau sur nous? 3 litres, c'est très bien. Ouais, c'est bon, on y va, hein. On est... Je sais pas si on les prend, ça. Les pilules en plus, ouais, on en a, ça va. Ça va pas mourir, quand même. Jerrycan. Ok, on va jeter le surplus qu'on a. Pam, pam. Est-ce qu'on peut pas faire vite fait... Ah oui, on prend le sac de couchage ou pas? Ah, on va le prendre 5 kilos. On va le prendre. C'est parti, boire. Tada! Let's go! Tada! Nous partons à l'aventure. Donc j'ai dit qu'on allait continuer le long de, du côté... De ce côté là-bas. Voilà, on y va. Est-ce qu'il fait froid? Non, il fait pas froid. Ah, on est en plein vent. Regardez, on est en plein vent, ok? Parce qu'on n'a pas le bouclier, on n'est pas protégé du froid. Oh, d'accord? On est d'accord? Moins 2. Et on n'est pas protégé du froid. Parce que là, il y a bien un vent, là. On est d'accord. On va se mettre. Il y a bien un vent, là. J'arrive pas bien à voir. Oui, ça bouge. Non, c'est pas grave. Là. Bref, il fait que moins 2 degrés. C'est parfait. Quoi ce bruit? On dirait des galops. C'est moi qui fais des bruits comme ça sur la neige?
Ah, ça doit être moi. Ah, on peut aller voir là, cette maison aussi. Je dirais pourquoi pas pour les... Ah, je crois qu'elle est brûlée, non? On va voir. On va voir ça. Pour les vêtements. Oh, regardez, on se réchauffe. Il n'y a plus de vent, on est protégé. Oh, il y avait bien du vent. C'est pas top? C'est pas top, ça? Ouais, comme on est fort en pomme. On est fort. Ah, j'adore quand ça se passe bien comme ça. On est... Vous avez vu, rien qu'en 2 heures, on s'est préparé. Et non, on va pas le prendre. Vous allez le mettre en bois, on va le prendre. Vous avez vu, on s'est préparé. On s'est bien préparé. L'accélérant, ça peut servir, mais... Voilà, on a déjà remboursé notre fusée. Très très bien. Alors, on est à la recherche de vêtements, honnêtement. Je vois pas vraiment ce qu'on pourrait récupérer d'autre à part les vivres, hein, je parle. Ouais, non, j'ai rien en tête, honnêtement. J'ai rien du tout qui vient en tête. J'aime bien jouer à ce jeu. Ce jeu, il est relaxant. Ouais, on peut dire ça. Ça, on le pose. Et dans un sens, j'aime bien planifier les... Le fait de planifier, en fait, moi, j'aime bien. Genre, j'aime bien préparer les équipes, par exemple. Vous voyez, dans les jeux où c'est que... Genre, les MMORPG, les trucs comme ça. J'aime bien planifier des choses. Faire en sorte que tout le monde soit prêt. Des trucs comme ça. Et moi, c'est vrai que ça me plaît bien, en fait, ce jeu, pour ça. Vous avez vu, hier, on a joué que 2 heures. Hein. 2 heures, c'est pas beaucoup, quand même, dans le jeu, parce que ça passe quand même vite. On n'a pas fait plus que ça. Hein. On n'est pas allé chercher 3 tonnes de bois, rien du tout. On s'est super bien équipé, on s'est super bien préparé. Et on est... Pantalon de combat, ça peut être pas mal. On s'est bien préparé. Et on est nickel, quoi. Ok, ok. On va peut-être devoir rester là un petit moment. On va peut-être pas prendre trop d'eau non plus. Pour voir pour les vêtements ce qu'on a. Alors, fais voir un peu. Est-ce qu'on a des bons vêtements? On a des nouveaux vêtements, là. Alors, ah, mais c'est le rouge, je crois. Le rouge est mieux. Ouais. Le rouge est mieux. Le rouge est mieux. Donc, on va jeter celui-là. Et là, on a leur pantalon militaire robuste, renforcé aux genoux et articulations pour offrir plus de mobilité, conçu pour survivre et à bien des épreuves. Il a zéro... Alors, le truc qui est bien avec ça, apparemment, ça serait... c'est ça, en fait. C'est le fait que, comme ils disent, il est pour la mobilité. Donc il protège énormément. Mais il vous fait 0% sur votre sprint. En plus, c'est un peu plus stylé quand même. On va faire ça. Voilà. Voilà, voilà. Alors on va le réparer. Ouais, 30 minutes, on va le réparer. Alors, à combien il est? Il est à 93%, parfait. Et ça, c'est à 77%. Allez, go. Je sais que ça fait beaucoup de temps, mais bon. C'est pas grave, c'est pas très grave. Voilà, 93%, 100%. Ah oui, les chaussettes aussi, les chaussettes. Alors, on a les chaussettes en laine. Donc, les chaussettes en laine, c'est mieux que le sport, en théorie. Yes, c'est mieux. Donc, ça... 10 minutes tissu. On va récupérer les rideaux aussi. On va faire les tissus. Voilà, très bien réparé. J'ai pas regardé combien de temps ça prenait pour ça. Il
Yes, yes, yes. Très, très bien. Ah, on est à 20% plus 20%. Putain, on a des super vêtements. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'aimerais avoir ça sur ma survie du week-end, mec. Tu t'imagines même pas. T'imagines même pas tellement que je voudrais avoir ça. Oh mon dieu, on pourrait tellement se balader parce qu'on est toujours un peu à la... Genre, il nous manque tout le temps quelques degrés des fois. Enfin, dans les bons jours, je parle. Dans les bons jours, il manque toujours quelques degrés dans notre survie du week-end pour être bien. Quand on sort. Et du coup, on peut pas vraiment sortir à l'infini. Du coup, c'est normal, quoi. Parce que sinon, après, on a froid. Et c'est vrai que c'est embêtant. Honnêtement, c'est vraiment handicapant de pas pouvoir sortir quand on veut et tout ça. On va dormir 2 heures, je pense, parce que j'ai envie qu'elle soit en pleine forme. Donc on va dormir 2 heures. Bon, on n'a pas récupéré de viande, enfin de nourriture, c'est un peu bête. Faut quand même faire gaffe parce qu'on a que ça, hein, attention, après on n'a plus rien. Mais en tout cas, on a très très bons vêtements. Ah, 2 heures, ça suffit. Désolé, je bois en même temps. Hein. Parce que 2 heures d'affilée. Ok. Petit café. Encore une fois, on pourrait même le faire cuire. Ah, on aurait pu parce qu'il y a une... Je crois que... Attendez, je sais qu'on voit rien. Ouais, on va directement prendre le truc maintenant. Parce que j'aime pas faire des vidéos dans le noir, c'est con. On va faire ça. Non, peut-être pas en fait. Non, non, on pouvait pas faire de... Non. Allez, on y va. On pouvait pas faire de feu. On continue. Yes! Ah, ah, ah. Au vent, oui. Au vent, on doit être à moins 1, moins 2, moins 1. C'est énorme. Bon, on est en pleine forme. Faudra faire gaffe quand même. Faudra écouter s'il n'y a pas des loups qui nous attaquent et tout ça, qui nous sentent. Parce que je veux pas... Je veux pas me faire avoir par ma propre euphorie. Hein, vous voyez? Parce que là, je suis super content. Ça se passe très bien, donc j'ai pas envie de me faire avoir par ça. Ah, il fait assez clair. Honnêtement, on n'a pas vraiment besoin du feu, de la torche, mais bon. Normalement, on en a encore plein. Ah oui, ah non, ça c'est la carcasse, je crois. Alors, notre plan. Notre plan. Nous allons continuer le long de la route. Et donc, alors, si je me rappelle bien, on va avoir une petite zone qu'il faut passer. Ça va pas être très long. Surtout qu'on peut la passer honnêtement en une fois, vu qu'on a de très bons vêtements encore. Donc on devrait pas avoir froid. Et après on sera donc au phare. Le phare est intéressant. Il y a trois endroits que je veux aller voir. Trois endroits, donc il y a le phare lui-même. Même quatre, il y a une église normalement, une église cassée ou brûlée, un truc comme ça. Il y a le bateau, où il y a la forge. Très intéressant, ça aussi. Attendez, parce que là, on est en montée. Ça, il peut avoir des loups de l'autre côté, donc... Ok, on est bien. Je fais toujours attention, hein, vous avez remarqué de toute façon dans ma survie et tout ça. Vu qu'on voit pas derrière, il y a peut-être des loups, il y a peut-être des trucs qui nous ont sentis et qui commencent à venir vers nous et on ne sait pas. Ah, il y a des maisons là aussi, mais je crois qu'il y en a quelques-unes brûlées, on verra. Donc le phare, l'église, le bateau, et après il y a un... Entendez-vous. Après il y a un... Je sais pas, un gros entrepôt on va dire. Là aussi c'est pas mal. C'est pas mal, donc je vais aller là-bas. Je vais aller visiter ça. Voilà, quand on n'est pas face au vent, on se réchauffe. C'est vraiment top. Attendez. Ça a l'air safe.
vois rien bouger. Là, il y a un cerf. Ça fait du bruit, ce flair. Je sais pas si on peut avoir des choses à l'intérieur. Ça va, je pense que le périmètre est safe. Ah mon Dieu! Oh là! Ça m'apprendra, tiens. Ah. J'espère que le périmètre est safe. Waf. Oh putain. Faudrait faire un clip. Si on était sur Twitch, on ferait un clip de ça. Putain de merde. Ça m'a fait peur parce que je les ai pas vus. Et je crois qu'ils étaient extrêmement, extrêmement proches. Et ça, ça me fait un peu peur par contre. Bon après, il y a une maison ici, donc on peut faire passer le temps et tout. Après, un truc. Je crois que ces loups fonctionne un peu comme les loups avec le, si je dis pas des bêtises, le loup des, avec les aurores boréales, donc ils ont peur de la lumière, je crois bien. Et je pense qu'avoir la torche les maintient à guet en fait, et ils ne vont pas nous foncer dessus, sauf si vraiment on avance trop vers eux, mais je suis pas totalement sûr. Je vais prendre la bouteille. J'ai pris la bouteille juste au cas où parce que j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de me faire attaquer. Non, ça non, c'est pas assez. J'ai honnêtement un peu peur de me faire attaquer au moment où je sors. Un litre, ça fait trop. On va voir. Peut-être encore des meilleurs vêtements. En haut. To be vigilant, no matter what. On peut la prendre. Sweatshirt. Sweatshirt. Attendez, faut qu'on regarde les vêtements qu'on a. Je sais pas, sweatshirt, si c'est bien, bien. Ou pas. Gilet, non. En laine. On a déjà en laine. Pansement, oui. On a déjà en laine. Yes, on a déjà en laine. Alors, on peut voir, sweatshirt. Et là c'est 0,2 mais il est seulement à 42%. Je pense qu'on va rester. Alors je vais être honnête. En théorie ça c'est mieux, on est d'accord. Hein. En théorie ça c'est mieux. Ça donne plus de... Mais c'est moche. Mais c'est très moche. Donc on va rester comme ça. Je suis désolé, mais on va rester comme ça. Par contre, ça, je crois qu'on va devoir le réparer. Alors, on va faire ça. Ça n'a pas l'air d'être extrêmement mieux. Hein. Je veux pas dire, mais ça n'a pas l'air d'être extrêmement mieux en fait.
pensais que ça allait monter à 1. Enfin oui, ça protège plus contre le vent. Ça c'est quoi ça déjà? Protection. Ça c'est protection, c'est la défense contre les bestioles. Je pensais que ça c'était 1, mais bon, c'est pas grave. Ah, ça m'embête parce que c'est vrai que c'est moche ça quand même. C'est vrai que ça protège rien. Franchement, ça a des stats de merde, hein, l'écharpe en coton. Hein. L'écharpe en coton a des stats de merde, mais bon. Quoique. Ouais, on va la prendre quand même. Enfin, c'est stylé comme ça, non? Ah, c'est chiant. Non, c'est pas grave. Ah, on va prendre le bonnet, allez. Bon, allez, rip la mode. Rip le style. Voilà. On va quand même garder les chars plus pour comme ça. Bon bah on s'est vraiment amélioré en vêtements. Oh mon dieu. Faudrait les changer par contre. Attendez. Ah non 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 non, j'ai rien dit. Là c'est ce qui se voit. Sous-vêtements, caleçons longs, laine. Okay, c'est bien. Et après c'est l'inverse. Là c'est ce qui se voit, c'est le premier, c'est le caban. Et après pour les jambes c'est l'inverse, c'est celui-là à droite, c'est la case à droite et là c'est la case à gauche. C'est un peu bête ça. Ça aurait dû garder les mêmes cases. Ça du coup comme ça, la fusée on la laisse. Rideau, on va reprendre du tissu vite fait. Qu'est-ce qu'on fait encore? On dort encore 2 heures. Honnêtement, ce qui est... Hein, à la limite, ce qui est marrant dans le jeu, dans ce mode, je parle, hein, c'est que vous en foutez en fait de dormir ou pas. Parce que c'est toujours la nuit. Donc bon. On va faire une petite sieste. Merde. J'ai un peu peur des loups qui sont dehors là. De toute façon, ils vont être là encore. Hein. Ils vont encore être là. Alors on va prendre la lampe cette fois. Okay. J'avais laissé ça, on va prendre ça. Ah, 1 heure, ça suffit pas. Hein. Combien il nous reste de café? Je vais voir juste combien il nous reste de café. Un, 2, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, ça va. Ouais, très bien. C'est parti. Donc là, du coup, même dans le vent, on devrait ne rien subir. On va aller directement vers la route. C'est ça. Alors on va pas aller là parce qu'il y a les loups. On va retourner vers... Ça venait de la route, mais je sais pas si c'est vraiment... Si vraiment ça veut dire qu'il y en a sur la route. Par contre, on a un temps de merde, on voit rien. Vous avez vu la chaleur ? On n'a pas froid. Ça c'est bonnet ça. Et le coup du vent aussi. Parce qu'on a le sweatshirt. Il protège du vent. C'est ça qui est pas mal de trouver des... Alors, je vais parler un peu doucement et faire des pauses. De trouver... différents vêtements. Parce que du coup vous avez le choix en fait. Ah, vous avez le choix, genre plus de chaleur contre un peu plus de fragilité contre le vent ou inversement. Ah, donc là on a choisi de prendre des bonnes protections contre le vent. Voiture.
J'aime bien, ça fait roleplay. Non, ça on prend pas. Ça fait roleplay de mettre la lampe comme ça. Y'a rien. Ok, rien du tout. On continue. Par là-bas. Quoi ? Merde, il faut passer par la montagne. Je crois. Mais on pouvait passer par là, non ? Je deviens fou. Faire des arcs. Attends, c'est moi qui deviens fou? La route elle est coupée, c'est pas ça là? J'ai peut-être un autre endroit en tête en fait. Alors c'est là-haut. On va pas vouloir monter là. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on n'a pas froid, donc honnêtement, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, on va monter dans les montagnes, là, sur notre droite, vers les hauteurs. Et normalement, il y aura une mine, alors. Je suis étonné. J'ai vraiment la mémoire qui me fait autant de défauts. C'est ça, c'est vraiment des problèmes de mémoire que j'ai. C'est grave, hein. Dans un sens, c'est fun. Moi, je dis, si tout se passait toujours très bien, vous feriez chier, non? C'est ça, l'aventure. C'est pour ça que j'ai pas regardé de map, je me suis pas rappelé, rien du tout. Mais sinon, on vous ferait chier. Alors, je pense pas que la mine... Je veux juste voir ce qu'il y a là. S'il y a vraiment rien, quoi. Honnêtement, je suis un peu dégoûté du temps parce que j'aurais bien voulu avoir un meilleur temps. Alors là, on est au-dessus. Ouais, non, il n'y a rien, il n'y a pas de passage. Bon, on va aller dans les hauteurs. Je suis quasiment sûr qu'il y a une mine. Maintenant, je vais dire quasiment à chaque fois que je dis quelque chose. Par contre, je voudrais pas marcher en pente pendant 7 ans non plus. La lampe, je sais pas trop comment on va l'utiliser, si on fait que l'utiliser. Ou alors on prend des flares encore. Enfin, des fusées éclairantes. Moi j'appelle ça des flares en anglais. Alors je pense que c'est au niveau de la maison où on était tout à l'heure. Je crois que c'est là qu'il faut aller. Et après il faut monter et vous continuez à monter, du coup vous tombez sur la mine. Donc on va voir ça. Sinon on se casse et on va autre part. Si vraiment j'ai tout faux, bah je sais pas, on ira autre part. Ouais, par contre c'est peut-être vraiment... Peut-être vraiment pas le meilleur moyen de descendre. Donc on va revenir sur la route. Si on peut, genre sans se suicider non plus, ça serait vraiment con. Okay, cool.
C'est bon, fait chier. Perd du temps. C'est pas très grave, mais bon, moi je voulais que, hein, je voulais qu'on avance, que dans les épisodes comme ça, là, comme j'ai dit, je veux faire seulement. Voilà. Seulement 2 heures. Mais je veux pas que ça soit 2 heures rester à la maison, vous voyez ce que je veux dire. Je veux qu'on fasse des trucs, quoi. Sinon on va se faire chier. Voilà. Putain, c'est bruit, quoi. On va rester sur ce côté-là, comme ça quand on verra la maison, on monte. Le problème, c'est qu'on est un peu en contre-vent. Ça devrait être mieux. Quoique non, il est trop en biais en fait. Est-ce qu'on pourrait avoir un meilleur temps? Enfin, le froid, c'est, honnêtement, on s'en fout parce que, comme j'ai dit, on a des super vêtements, mais la visibilité. Je voudrais bien avoir un peu plus de visibilité. Ce serait vraiment cool. Déjà que je peux pas me fier à mon... à ma mémoire. On voit strictement rien. Fin. Quand on remontera à la maison là qu'on avait vue en hauteur, on fera un arrêt. Je pense qu'on dormira quelques heures et on mangera aussi. Enfin, il faudra manger, il faut se caper en calories, comme ça on n'a pas de problème. Alors, on va prendre une tisane. On va prendre une tisane aussi. Comme ça. Bon, ça va. Comme ça, on n'a pas besoin de dormir trop longtemps non plus. Je sais pas si elle se repose. Je crois qu'on récupère plus de vie en fait. Et elle, la barre là, enfin la jauge pour se reposer, se remplit plus vite aussi. Donc en gros, c'est. Tout est accéléré. Genre la fatigue, elle remonte plus vite et les soins remontent plus vite. Donc ça marche pour les deux, c'est bien. Ligne téléphonique, maison, elle est là. Parfait. Eh oui, on est de retour parce que on est bête. Eh oui, et on est complètement de retour parce qu'on est bête. Oh, on peut dormir. Alors. Ça, très bien. Et on n'a pas de commencer. Voilà. Repos amélioré. 4 heures. On va voir en 4 heures si elle est pleine. Normalement, elle devrait être pleine. 4 heures, c'est bien. Ouais, on est plein. Réveillé en pleine forme. Ah, très bien.
Oui, ce que je voulais faire, c'est ça. C'est où la lampe? Remplir la lampe. Ah, très bien. Ouh, c'est vrai que ça... Ça descend vite, quand même. Ça descend vite. Je vais utiliser ça. C'est parti. On est reparti. Désolé, hein, y a pas grand-chose qui se passe, là. Alors. Bon, pas par là. On va rester dans la... Je sais pas. On va rester sur la route. Ouais, on est sur la route. On va rester sur la route, ok? On va bien trouver quelque chose. On va bien pouvoir sortir de cette zone. Oh. On est où, là? Où est-ce qu'on est? On est juste à côté. Oh, la vache. On n'a rien parcouru du tout, en fait. On n'a rien parcouru du tout. Ah, les meilleures bûches. Meilleures bûches du monde, mais on est un peu lourd. Je crois qu'elle dure 2 heures. Pour 2 heures pour 2 kilos, je crois. On n'avait pas fait cette maison. Intéressant. Ah, c'est embêtant. On devrait, honnêtement, pour être honnête, on devrait s'arrêter à la maison et faire cuire du thé ou du café. Quoique non, on n'a même pas besoin de ça. Ça, on n'a pas froid. Non, au final, non, ça servira à rien. Chaque fois que j'utilise un flair, on tombe toujours sur des maisons. Le problème avec les maisons, c'est que bon, du coup, si on trouve des vêtements, il faut les réparer. Non, t-shirt. Ah, faut les réparer. Et ben ouais, du coup, c'est pas comme si on pouvait mettre pause pour le flair, quoi. Il va devoir s'utiliser. Sport, non. Du coup, on a trouvé un autre. Alors. 1, 0, 5, 1, 0, 5, 40. Ouais, non, on en a pas besoin. Je voulais juste voir un peu les différences. Par contre, entre, c'est vrai que ça sert à rien de garder au final. Je voulais juste voir les différences. On y va, on se casse. La bûche calorifique, on pourrait vraiment la prendre. Bon, hein, c'est pas comme si on allait vraiment avoir l'utilité. Donc, on est de retour ici. Ouais. Je le vois pas. Ouh, je le vois. Les yeux rouges. Ouh, je le vois. Serveur ici. Normalement, ouais, on est déjà venu ici. Ok, parfait. On va faire ça. Ok. Oh putain, il m'a senti ce coup. Merde, putain, je vois rien. Ah si, je le vois un peu. Ok, on va passer par là.
pense pas qu'il va trop nous suivre par là. Sinon, on va être dans la merde. Je pense pas qu'il va trop nous suivre. Et là, on devrait arriver sur une route. Bah, très bien, on va continuer de ce côté-là. On va peut-être s'éloigner un peu du précipice. Ah, là, il y a des sortes de bungalows, j'en sais rien, des trucs. Hein. Des caravanes. Pas des caravanes, des... des mobilhomes. Voilà, des mobilhomes. Ça va, vous avez vu, il nous a pas suivi. Yay, on avance, progrès. Ok, très bien. Ça. Là, on a beaucoup d'allumettes. On est à 34,80. C'est beaucoup, hein. Après, on a le sac de couchage qu'on a récupéré. C'est vrai que maintenant... Ah oui! Ah, le sac de couchage. Il est devenu encore plus utile parce que du coup... En théorie, on devrait faire du feu et dormir, enfin genre dans une grotte ou dormir à côté d'un feu, enfin des trucs comme ça. Attendez, c'est à gauche ou c'est là? Je sais pas, on va continuer. Oh, on a trouvé une lanterne! Yes! Ou alors c'est un monstre énorme qui va nous bouffer la gueule, c'est un des deux. Et du coup, en fait, le sac de couchage devient encore 30 fois plus utile là, parce qu'on n'a pas besoin de feu. Il fait pas froid. On peut dormir plus ou moins où on veut. Même à la belle étoile, honnêtement. Bon, je le risquerai pas, mais... Et tiens, vu qu'on vient de trouver ça aussi, on peut dormir à côté. Parce que ça, ça va toujours vous tenir chaud. Yeah! Attendez, on fait un bon thumbnail. Attendez. Yes, comme ça. Voilà, comme ça, ça fera un bon thumbnail pour la vidéo. Vous voyez? C'est comme ça, des thumbnails, c'est les miniatures des vidéos. Ah voilà, ça fera joli. Donc on a un fusil de chasse. Ah, vieux fusil de chasse, verrou calibre 303, de quoi abattre un cerf, voire un loup. Pantalon de combat usé, stimulant. Wow, mais c'est énorme! C'est énorme. Alors. Là, c'est 2. 2, 0, 4, 20. Ouais, il y a le vent qui... On va prendre les deux trucs de combat. On va réparer ici, hein. On va réparer ici, on est au chaud. Alors. Hop, 5. Ok. On est toujours au chaud ici. Je voudrais bien qu'il fasse... À la limite, je voudrais bien qu'il fasse un peu plus froid pour que je vous le prouve, en fait. Allez, par contre, l'humidité, oui, ça a augmenté parce qu'on est en plein à l'extérieur. Oh putain. Ok, on va faire ça dans le bungalow là-bas. Là. Enfin, là, arrête de dire bungalow, c'est pas un bungalow, c'est un mobilo. On était pas très loin. On va en profiter pour dormir aussi.
Alors c'est un peu noir, je sais. Sûrement plus noir pour vous que pour moi déjà. Mais on est juste là, pas loin. Et puis, peut-être que le temps va s'améliorer, lol. Hein? Haha, oh oh. Peut-être qu'on va avoir, on va arrêter d'avoir cette neige à la con, là. Parce que honnêtement, ça, c'est un peu relou. Ah, dites-moi, allez, à quel moment vous voyez plus? Genre, je sais que là, ça doit être peut-être super quasiment noir, ou peut-être voyez, peut-être que vous voyez la fenêtre. Je sais que j'avais demandé, mais vu qu'il y a une mise à jour et tout ça, on va dire que ça a un peu changé le jeu. Jeter ça. Donc comme je disais, on va... Tissu, comme ça on jettera la boîte. Ah oui, non, c'est 5%. Non, si, c'est bon, ça a cassé. Ça, on jette, même si c'était un très très bon vêtement. Jeter tout. Ça. Ça. On a un stimulant. Stimulant, c'est un... Un revive, quoi, honnêtement. Si vous êtes sur le point de mourir, vous vous piquez avec ça, ça vous remet d'aplomb. Et après, il faut trouver un endroit pour dormir, par contre. Ça, c'est une autre histoire. On va boire de l'eau. Et on venait repasser en dessous des 35. Très bien. Ça. Après, est-ce qu'on pourrait jeter si vraiment... On a du cuir, c'est bien. Si vraiment on doit faire de la place, on pourrait jeter la lampe, on pourrait jeter le sac de couchage. Ah, il y a des trucs qu'on peut jeter, si vraiment. Putain, il a 100% le fusil en plus. Ah, donc voilà. Si vraiment on veut jeter des choses, on peut. C'est qui est important. C'est, si on veut faire de la place, je veux dire, si, parce qu'on est trop lourd. On va faire ça. Voilà, très bien. 4. Voilà, très bien. qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, quand on arrivera dans une nouvelle maison, du coup, putain, on est à presque à une heure, je crois. Oh, on est à presque à une heure, on n'est même pas sorti de la zone, quoi. Pouf. Quand on arrivera dans une nouvelle zone ou avec un bâtiment et tout, genre le phare, si jamais on y arrive un jour, je veux qu'on fasse plus de thé et tout, donc on en profitera pour ça. On ira récupérer du bois, etc., etc. C'est parti. Enfin, c'est reparti. Ça. Oh, yes! C'est beau. Ah, j'aurais dû craquer ça après, en fait. Enfin, je devrais pas le craquer directement, le flair. Seulement si vraiment il y a mauvais temps. Est-ce qu'elle sort le fusil directement ou pas? Yes, ok, elle sort le fusil directement. Parfait. Équipé. Ça va, vous appuyez sur le raccourci pour fusil, elle fait tomber le flair et elle prend le fusil direct, ça c'est bien ça. Ça la fatigue de faire ça ou pas? Non. Bon, du coup. Il y a un truc derrière? Ok. Ah, ça a changé ça, je crois. Ça a l'air d'être un peu plus fluide quand ça bouge.
Ah, je pense pas que ce soit là. On va partir sur l'autre route. C'est peut-être plus haut. Ok, on va arrêter de faire ça. Ça nous fait perdre du temps. On va arrêter de faire les coups. Bon, en tout cas, je suis content. On a récupéré ça et on a récupéré un fusil. Eh ben, les loups, ils s'amusent. Par contre, si on voit un loup, on tire dessus direct. On va voir un peu s'ils sont... Ah, il y a une corde. Ah, on peut couper comme ça. Elle est en pleine forme, elle est en pleine forme et on est en dessous du poids. Ouais, non, ça va, on va prendre... Ah, merde, on va peut-être pas pouvoir prendre la fusée avec nous, par contre. Je sais pas. Ouais. On peut pas. Par contre, ça la fatigue. Vous voyez la barre quand elle descend. Et ça la tue, ça. Okay, très bien. Ça va, il fait beau temps, donc c'est pas grave, grave. C'est encore pour les arcs. C'est pour ça que cette zone, elle est vraiment bien. Niveau ressources. C'est pour ça que je veux y aller dans ma survie. Bon, bon, bon. Voilà, vous voyez, on a coupé un morceau quand même. On a coupé un morceau de route. On aurait pu vraiment le faire normal, hein, mais bon. Par contre... on va faire ça. Parce que là, du coup, on a pris un peu un petit coup, là, niveau fatigue. De toute façon, si on suit les voies, on va trouver des endroits hein, pour partir. C'est obligé, hein. Ça va faire un petit moment qu'on n'a pas fini une fusée éclairante en entier. En entière. À chaque fois, ou on doit la jeter, ou alors on finit dans une maison et on dort. Mais on reste jamais à l'extérieur avec une fusée très longtemps, j'ai remarqué. Ah merde. Est-ce qu'il y a un truc sur la route? C'est un truc ça ou pas? Devant. Non, c'est vrai. On a combien de balles? On a 10. Bah du coup on va aller de l'autre côté de la map. Ah, on va aller là. On va voir un peu. Je trouve qu'on arrive bien à ménager notre poids. Je suis assez heureux de ça. Bon, on a le bonus de 35. 35 kilos, enfin de 5 kilos en plus. Et je trouve qu'on arrive à bien ménager notre poids. Bon, après, c'est parce que toutes les calories, c'est des bonbons qui pèsent 0,10, quoi. Mais je trouve que là, on est vraiment bien préparé et tout. C'est vraiment... C'est fun, en fait. C'est super fun à jouer comme ça. C'est super cool de pouvoir se balader librement. Parce que vous avez vu, en fait, la différence entre intrus, genre ma survie du week-end et maintenant.
Là, on fait ce qu'on veut, alors que là, intrus, c'est très très géré par le temps. Si on a un temps de merde, ben du coup, ben on sort pas. Si, enfin voilà quoi, si ça se passe mal, ben on fait rien. On fait rien de la journée. Ça aussi, c'est un backer. Ben, on va le prendre pour le moment. Ça oui, par contre le fuel non. Oh, une balle. Ou deux balles. On va prendre ça aussi. Dépecer vos proies. On s'en fout. On peut dormir. On va pas encore dormir parce que sinon ça sert à rien. Quoique, tant qu'elle se remette, vite fait. Ah bah oui, parce que hein, elle vient de monter une corde, ok. Elle vient de monter une corde, là, madame. Voilà. On continue. Et là, vous avez vu, il y a un rocher, là, celui-là. On peut y attacher une corde. Donc, si on avait, par exemple, gardé la corde... qu'on a trouvé. Je crois qu'il y en a une attachée. Non, il n'y en a pas. Si on avait trouvé la corde... Enfin, si on avait gardé, pardon, la corde qu'on a trouvée sur les maisons de pêcheurs et tout ça, là, on aurait pu l'attacher directement là. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Alors, en intrus... c'est pas vraiment conseillé de prendre n'importe quelle corde. Parce qu'il y a toujours des autres chemins. Par exemple, vous avez vu qu'on a, avec la corde qu'on a pris, on a coupé... On a coupé un moment, un passage. Mais honnêtement, c'est pas un gros passage, quoi. Et le problème en intrus, c'est que si vous vous fatiguez, que vous êtes à l'extérieur, que vous pouvez pas, du coup pas dormir, c'est très très dangereux. Genre, c'est mieux de perdre un peu plus de temps et d'avoir froid et de perdre de la vie petit à petit que de tomber... En fait, très bas en fatigue. Parce que sinon, bah, si vous évanouissez dans le froid, laisse tomber, quoi. C'est la mort assurée. C'est quoi ça? Ah, c'est un poteau. Donc, c'est pour ça. C'est un peu bête, dans un sens. Parce que c'est censé nous aider pour, genre, passer des passages. Ta mère. Attends. D'abord il y a ça. Et après il y a ça. Et après il y a ça aussi. Ok, donc ils ont aucune peur. Ils ont aucune peur du fusil. Ils ont zéro peur du fusil. Je prendrais bien des appâts, mais honnêtement, je suis sûr que les appâts ne vont servir à rien. Honnêtement, je suis quasiment sûr que les appâts leur fait rien. Alors... J'aurais une question, mais vous allez sûrement y répondre, et j'aurai déjà fini, en fait, les 4 jours. Est-ce que le loup, là, est-ce qu'il a vraiment peur de la lumière? Genre, est-ce que le flair lui fait peur? Parce que j'ai pas l'impression que le flair lui a fait peur, en fait. Donc là, on a vu, par contre, que le fusil lui faisait pas peur, parce que normalement, si vous tirez à côté, les loups déguerpissent, quoi, ils ont peur. Et là, non, il a continué son truc, quoi. Donc, du coup, est-ce que... Ah, elle est là, la mine. Ouais, donc j'ai inversé la carte dans ma tête, en fait. Donc du coup... Voilà. Qu'est-ce qui se passe? De quoi ils ont vraiment peur? Comment on les arrête?
Parce que pour le moment, j'ai l'impression que une balle entre les deux yeux, c'est qu'il n'y a que ça qui les arrête. Rien d'autre. Mine de charbon de Cedar Hill. Ok, on va voir où ça nous mène. Combustible pour lampe. Il y a du charbon, on peut faire du feu ici. Ah non. Oui. Ça prend trop de place. On vient juste de craquer un truc. Je vais pas faire du feu maintenant. Ça, on est du charbon en fait. On peut utiliser le charbon pour faire du feu. Enfin, quoique, non, le charbon ça prend. Faut attendre 30 minutes. On est à combien? Bon, on va prendre ça. Les mines aussi sont très 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 sombres. On en a déjà une. Ça, on le prend pas. On en a une qui fait 80. Enfin, celle-là, elle faisait 89. Ah non, la scie, on l'a pas prise. Non, non. La scie, on l'a laissée. Parce que ça nous sert à rien, en fait. On a assez de. Non, ça, on va prendre. On a assez de choses. Ça, on prend pas. Jerrycan. Il y a 2 litres dedans. Alors, fais voir un peu. On est à 36,52. On va garder celui-là. Et on va ajouter... Peut-être que boire, ça va suffire. Ça m'étonnerait. Qu'est-ce qu'on jette? Ça fait beaucoup en fait. Quoi que là, ça on en dessus, ça on n'utilise pas, ça on n'utilise pas. Ça on n'utilise pas. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on va jeter. 23, il nous manque 23, c'est pas énorme, mais bon, c'est embêtant. 23, c'est la taille, c'est le poids pour ça. Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas, parce que je suis complètement cinglé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Voilà, si jamais on revient là, donc c'est-à-dire jamais, ça sera tout, tout bien rangé. Après, on aurait pu attendre, hein, parce que là... Une lampe, il y a combien dedans? 0,20. Là, le flair va bientôt s'éteindre. Par contre, je suis pas sûr d'avoir pris un bon chemin, honnêtement. Je sais pas. Je sais pas combien il y a de sorties, combien il y a d'entrées et de sorties. Je dirais une de chaque. Enfin, c'est un tunnel, quoi. Mais avec plusieurs bifurcations à l'intérieur. Je suis pas sûr. Une balle. Là, on a des balles.
Plutôt. Encore une fois, le coup des bottes, hein, ça me, c'est vrai que ça me perturbe un peu, hein, parce qu'on pourrait. Le coup des bottes, on pourrait les changer hein, pour que ça soit moins lourd. J'avoue que ça reste un peu un problème, ça. On va continuer. On est en surpoids, mais on va déposer le flair dans pas longtemps. C'est embêtant tout ça. On verra à la sortie. Si on la trouve un jour, la sortie, ok. Mais où est-ce qu'on est? Je ne sais pas du tout. Mais... je crois que c'est là qu'il faut aller. Je vais juste regarder s'il n'y a pas des objets. Voilà. Cool. Oh. Oh, il y a un chemin. Non, gauche. Gauche, il y a des balles et tout ça. C'est la bifurcation juste là, du coup. Enfin, juste là, façon de parler, quoi. Putain, on va passer combien de temps dans cette grotte? Je crois que c'est la mine la plus longue du jeu. La mine la plus grosse du jeu. Il y en a plusieurs, il y en a au moins... ah non, c'est pas pareil. Il y en a au moins 3, je crois bien, si je dis pas de conneries. Ou à moins, c'est... je sais pas. Je sais pas par où passer pour aller à cet endroit. Je sais vraiment pas par où passer. Pas de... genre ça là en fait, c'est ça, c'est tout bête, non? Ah, je crois que c'était tout bête, j'ai fait le long chemin pour rien. Ouais, non, c'est ça. Désolé, ma stupidité, encore une fois. Alors, qualité, on s'en fout. Par contre, ça, oui, on prend. Casquette de baseball et char, non. Ah, du coup on se balade honnêtement, pas grand chose à faire. Je pensais vraiment aller directement dans une autre zone, au final on a un peu tourné en rond, donc c'est un peu 2 heures... Pas très... pas très jouissif, on va dire. Une torche. Torche à 100%, on l'a pas prise. Ça en a déjà. Là, je pense que c'est pour aller au cadavre. Non, c'est un autre endroit encore. Faudrait qu'on dépose par terre, genre des brindilles, pour dire qu'on est passé par là. On n'en a pas, évidemment, mais
Mais honnêtement, ça serait top. Oh, non, on a fait le tour. Quoi? Je me suis perdu. Et là, c'est un cul-de-sac. Du coup, on va où, nous? Ah, là, en haut, on continue. Au lieu de d'aller sur où c'est qu'on a trouvé les balles de revolver. Oh mon dieu, c'est une catastrophe. Bienvenue, bienvenue dans l'épisode où on se perd dans les mines. Là, voilà. Vous savez les moments dans les jeux vidéo où vous avez envie de faire charger le dernier checkpoint? Ah bah c'est là, c'est là. Bah en fait là c'était mon moment. J'avais vraiment envie de charger le dernier checkpoint. Ah mon dieu. Ok, on va. Je suis sûr qu'on est encore dans la même zone. J'espère pas, honnêtement. On est dans la vallée charmante. Ok, je vais être honnête, j'ai aucune idée de ce qu'on fout là. J'ai aucune idée de comment on est arrivé là. Rien du tout. Ah, rien du tout. J'en sais rien du tout. C'est pas grave. On continue. Alors, on va d'abord gérer notre problème de poids. On a un problème de poids. Que le fusil on va l'utiliser, donc c'est vrai que bon, ça m'étonnerait qu'on tombe sur 3 milliards de loups non plus, mais on sait jamais. La vallée charmante, c'est quelle zone déjà? Je m'en rappelle plus. La vallée charmante, c'est pas avec les granges? Pas avec les granges, les deux granges, je crois. Mining Road. Mais du coup, on vient des montagnes. Je sais pas d'où on vient, en fait, vraiment. Je sais pas comment rejoindre les granges, si c'est vraiment ça. On va rester sur là. Ça a l'air d'être une route. Plus ou moins. Il faudrait bien que le temps s'améliore, encore une fois. Pour qu'on voit quelque chose. Là, il est un peu trop près. On essaie de le distancer. On essaie de le distancer. Ok, je vois des... pas des barbelés, des machins là, non?
s'appelle. Ah non, c'est le panneau. Si, non, c'est ça. Mining route, notre espèce. Okay. Donc là, on est sur la route. On va devoir s'occuper du loup. Bien. Continue. On est sur une route. Au moins que ce soit un lac gelé. Non, c'est une route. Pourquoi on foutrait des poteaux électriques sur un lac gelé? Ah merde! Il y a une voiture là-bas. Mais est-ce qu'on veut aller dans cette direction? Ouh la vache. Bah oui. Je sais pas. Je sais pas maintenant, qu'est-ce qu'on fait? De quel côté on va surtout? Dépêche. De quel côté on va? Parce que là, j'avoue, je sais pas trop. Péter la voiture. On n'a pas fait tomber notre... Non. Elle a pas jeté genre le fusil quand même. Bon, du coup on continue par là. Je sais pas où on va honnêtement. Donc on continue pas par là. Pied de biche. Non. On va retomber nez à nez avec le loup. Ah, c'est complètement sûr. Si on pourrait le, si on pouvait le chasser, le combattre, on va dire le combattre près de la voiture, ce serait nickel parce que comme ça on peut lui tirer dessus si jamais il nous fonce dessus, on rentre. Ah putain, allez, avance. S'il faut faire attention, faut boire du café parce que pour l'instant on est loin de tout, je sais pas trop où aller pour. Pour dormir. On peut dormir dans la voiture. Ou alors on trouve une grotte, mais bon, vu qu'il y a des loups un peu partout. Dormir à la belle étoile, ça peut peut-être mal finir. Je voudrais bien monter là. On va continuer sur cette route.
Ok, on va rester calme. Rappelez-vous, il y a un livre. Ah, ce vent! Je regarde en fait ma chaleur la plupart du temps. Ah, tiens, je commence à avoir froid. Ça, c'est parce qu'on a des vêtements mouillés, je parie. Pardon. Pourquoi tu t'arrêtes? Je veux juste regarder à mes vêtements. Yes, on commence à avoir des vêtements un peu humides. Donc ils protègent moins. Donc ce serait bien. Ouais, bah voilà. Oh merde, je crois qu'il y a un loup là. Ça bouge, c'est un loup ça. C'est un loup, il nous a pas vu, il nous a pas senti encore. La maison, je crois pas qu'on puisse y rentrer. On a tué en une balle ? Ok, cool. Des anti-analgésiques. On va les prendre pour le moment. Fais voir un peu l'état de notre fusil. 94%, ça va. Il se détériore pas énormément, hein, honnêtement. Je sais pas pourquoi je vais sur les carcasses. J'ai dans l'espoir, genre, qu'ils nous disent... genre Cerberus. Genre, c'est pas un... C'est pas un loup que vous avez tué, c'est un Cerberus. Cerber. Par exemple, vous voyez, on pourrait dormir là-dedans, quoi. À l'abri... à l'abri du vent, parce que c'est le vent qui nous rend humide. La neige quoi. On va continuer sur la route. Je voulais juste voir un peu en contrebas là. Est-ce que Dantor, ça est fatigué? Ah, on est lourd à cause de l'humidité. Ça, on dirait une route en fait qui bifurque comme ça. Donc est-ce que ça mène à une maison? On va voir. On va bien trouver un endroit quand même. Le temps aide pas. Le temps aide vraiment pas pour trouver des bâtiments ou des trucs quoi. C'est pas vraiment fun. Si on trouve une grotte,
Je pense qu'on va dormir dans la grotte. Si jamais on en trouve une. Genre quelques heures. Ouais, je commence à être fatigué. C'est ça? Non, c'est juste que... Non, on est de plus en plus lourd. On est de plus en plus lourd. À cause de l'humidité. C'est ça en fait, petit à petit. Faut vraiment qu'on sèche nos vêtements en fait. Attends, c'est quoi ça? Non, c'est pas... J'ai envie d'aller là, là-bas. Parce que je pense que c'est plus ou moins le centre de la zone. Et c'est fort possible qu'on trouve des choses. Mais bon, je suis pas sûr. Et avec ce temps, on voit rien. Donc... Regardez-moi ça. C'est terrible. Oh mon dieu. Alors de quoi nous allons parler? Un pont. De quoi nous allons parler? Eh ben, ce mois-ci, figurez-vous, hein, croyez-le ou croyez-le pas, ce mois-ci, nous avons fait sur Twitch, sur un stream, nous avons fait que des jeux d'horreur. Voilà, pour le mois d'octobre. Parce que à l'octobre, hein, on veut dire Halloween. Et c'est plutôt fun. C'était plutôt fun. Je crois qu'il y a une petite cabane devant. Cool. Donc on a fait quoi? En premier, on a fait The Evil Within 2. En mode Accumus. C'est le mode où on se fait toucher une fois, on meurt. C'était plutôt fun. Facile, mais fun. Après, on a sauté sur Dead Space. Le premier en difficile. C'était bien aussi. Qu'est-ce qu'on a fait après? On a fait aussi Man of Maiden. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques mois. Waouh, super la maison, merci. Sorti il y a quelques mois. C'est plutôt... Il n'y a pas vraiment de gameplay. C'est plutôt une histoire que vous regardez. Vous faites des choix. Mais c'est sympa. Honnêtement, il est sympa. Après, nous avons fait Doom 3. C'est la première fois que je faisais Doom 3. Vraiment cool. Doom 3 est vraiment très étrange. Ah, il y a une voiture. Honnêtement, Doom 3 est vraiment très étrange. Comparé à... Enfin, dans l'univers de Doom, c'est vraiment super étrange, Doom 3. C'est une sorte de Doom mélangé avec un jeu d'horreur, genre à la Fear. C'est très très spécial. Doom 3 est ultra spécial. Je vous conseille de le tester. Vous pouvez pas vraiment suivre les reviews à moins d'avoir des longues reviews qui expliquent bien les choses. Mais Doom 3 est méga méga spécial. Mais très bon. Très très bon. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On va dormir dans les voitures, je crois. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore? Là, on est sur Dead Space 2. Ça fait... Je pouvais plus le faire marcher, en fait. Parce que Dead Space 2, en fait, a un problème sur PC, je parle. Si vous avez un processeur qui a plus de 10 cœurs, donc quasiment tous les processeurs en ce moment, vu que les cœurs sont multipliés par 2... Oula, ok. On va faire attention. ça m'a gelé le sang. Donc on est sur ça, donc ça fait plaisir de pouvoir y jouer maintenant. Parce que j'ai trouvé un fixe en fait sur internet, une personne qui a bidouillé l'exé et tout ça pour faire en sorte qu'il crache pas. Donc ça c'est plutôt cool. Oups.
Ah, ok, ça c'est bien. Alors, fais voir un peu la chaleur à l'intérieur. Plus on est à 9. On est à 9. Attendez, on est à 9. Facteur vent 0. Température ambiante moins 11, mais on recense 9. Non, ça va, on peut dormir, je crois. Je crois qu'on peut dormir. Euh, 1h46, repos amélioré. Ah, la tisane, elle est encore... Elle marche encore? Waouh. Ah bah cool. On va faire ça. Faire ça, on va dormir 2 heures. 2 heures parce que j'ai un peu peur que le temps change en fait. Donc on fait comme ça. Comme ça. 2 heures. Bonus de chaleur lit, 3 plus 9, ressenti 6. Ah donc c'est ça va. Ramasser. Ah, ramasser. Oui, c'est en fait, c'est traité comme si c'était un sac de couchage. Voilà. Et c'est là qu'on se réveille mort. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un autre jeu, non? Je ne me rappelle plus. Ce mois-ci. Repos amélioré, expire. Ok, cool. On pourrait dormir encore un peu, honnêtement. Ah, putain, il y a un temps de merde en plus. Eh, par contre, est-ce que nos vêtements, ça s'améliore? Pas des masses, pas des masses. Un peu, mais pas des masses. On est à 72%. On va dormir encore 1 heure. Je veux juste voir si les 72% baissent. Parce que j'ai jamais vraiment fait attention à ça dans les voitures. Je pense que vu que c'est à l'extérieur, ça ne marche pas. Bon, déjà, on a un meilleur temps. Je vais voir. 72. Non, ça marche pas. Il faut de la chaleur, ou alors il faut vraiment un immeuble, enfin un bâtiment quoi. On va prendre ça. Et on est parti. On est encore encombré. 35-8. Eh ouais, parce que oui, on n'arrive pas à... on n'arrive pas du tout à... À se réchauffer, quoi, enlever l'humidité. J'ai l'impression que ce lot il est super proche. Ça m'embête par contre. C'est parti. Bon, on va continuer sur la route principale, qui semble être celle-là. Donc ouais, on fait ça, des jeux d'horreur. C'était cool. Il m'en manque un, on a fait autre chose encore, mais je m'en rappelle plus. Et je les ai tous mis dans la... gardés dans la collection, en fait, de Twitch. Parce qu'en fait, les streams, petit à petit, en fait, sont effacés au bout d'un certain temps. Ça reste plus longtemps si vous êtes partenaire, moi je suis que affilié. Mais par contre, si vous prenez les temps forts, en fait, restent indéfiniment sur votre chaîne. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un temps fort, en gros, prendre le stream entier. Et c'est ce que j'ai fait pour certains streams, pas tous, parce que bon, après, ce serait un peu de l'abus de faire ça. Et puis, personne regarderait 3 milliards de streams, ça sert à rien. Mais là, vu que c'est plutôt des sortes de let's play stream... Il y a un loup juste devant nous. Il nous a déjà vu. Ben putain, t'es rapide toi. Vu que c'est un... C'est plus un let's play, plus des let's play stream. Voire des découvertes pour certains. Ah, Moons of Madness. Très très bon jeu qui vient de sortir il y a pas longtemps. Et il y en avait un autre. Bah du coup je les garde ceux-là. Oh, on est mal placé pour combattre. Je les garde ceux-là, donc ils sont dans la collection normalement, vous verrez, même dans la description de cette vidéo.
Vous devrez voir genre playlist Twitch. Enfin playlist genre YouTube et après playlist Twitch. Qui s'appelle des collections. Il y a un bâtiment détruit. On va aller le voir. C'est quoi ça? C'est un bateau? Oh, c'est un avion! On est au crash de l'avion. Est-ce qu'on peut vraiment combattre là? Pas vraiment en fait. Je crois qu'il y a une maison là-bas. Ah! Par contre, j'ai vu une lumière. Crête aux moustiques. Ok. Si le truc nous suit toujours, on le défonce. Près des bâtiments. Qu'on ait une meilleure vue. Enfin, qu'on puisse... En fait, je veux combattre quand on est une sorte de dune. On est un endroit, en fait, pour le faire fuir. Si jamais... Genre là, on peut le faire fuir, par exemple, si on se met à l'intérieur. Je sais pas s'il y en a un autre. Non, non. Deux ouvre-boîtes. Non, on va les laisser les antibiotiques. Cadavre gelé. T-shirt, non. On a du bois. Les outils de qualité. On va prendre le bois si jamais, pas maintenant, mais si on revient le prendre, si jamais on a une maison, mais là j'en vois pas. Sous-sol, ok. On peut peut-être... Ce con. Il y en avait bien un deuxième parce qu'on entendait des couinements en fait. Du côté gauche, j'avais raison. Par contre, on peut pas faire de feu ici. T'es pâle. On peut pas faire de feu. Tu te fous de ma gueule, il y en a deux encore? Ah ouais. Ah peut-être, j'ai pris l'eau, mais c'est peut-être une connerie. Ah, faut qu'on regarde. J'ai trop de trucs là. On a peut-être fait une bonne découverte. Thermique, c'est ce qu'on a un thermique. Oui, c'est ce qu'on a thermique. Pull en laine, on va le prendre. Pull en laine, on va le prendre aussi. Ok. Alors, je crois que là, par contre, on se réchauffe. Yes. Là, on perd l'humidité. Donc à la limite on peut rester à cet endroit, on peut rester ici. Alors d'abord on va regarder un peu, alors là on a un sweatshirt 0,5, normalement le pull. Normalement les pulls sont mieux, les pulls sont bien contre l'étanchéité. Par contre le vent non, enfin quoi que ça, ça chemise en laine. Alors, en théorie les deux pulls devraient être mieux je dirais. On va faire ça. Alors on va faire une petite pause. On va faire du tissu, on va tricoter, machin, etc. etc. Hop. On va tricoter. Mmh.
voilà. Ça se passe bien. Ça se passe... Honnêtement, j'avais un peu peur de trouver aucun endroit. Bon, là, on peut... Je sais pas si on peut dormir. Je crois qu'on peut dormir si on dépose le... Oui, on peut... si on dépose le sac de couchage, on peut dormir. On va peut-être faire ça. Donc, 1, 0, 5, 20. 1, 0, 5, 40. Ouais, donc on voudrait deux chemises en laine, quand même. Le pull en laine est bien, mais on voudrait deux chemises en laine. J'ai remarqué, mais je l'ai pas dit, c'est vrai qu'à chaque fois je regarde des fois le temps, genre quelle heure il est, mais la lune ne bouge pas. Je sais pas si vous aviez remarqué, mais la lune ne bouge pas. Ça... Ouais, voilà, 43%, très bien. Là par contre, on a des bonnes chaussettes. C'est des chaussettes d'escalade. Normalement, elles sont beaucoup mieux. On va voir. Et on va poser le sac de couchage et on va dormir ici. Juste pour être à fond. En théorie, c'est mieux, ça. Voilà, 1 degré, 0,5 de vent. Humidité 25, la 20, vous voyez. Très bien. Et on récupère le tissu, comme d'hab. Ça se passe bien, c'est vraiment cool ce jeu. Vraiment sympa ce jeu quand même. On est à 35,78, très bien. Hop. On a de quoi jeter. Donc ça va. On a récupéré un peu de provisions aussi en même temps. Donc le... Il est où le... Sac. Est-ce que tout est à 100%? Enfin, en plus de 90 en tout cas. Ouais. Alors, lève-toi. Hop. Sac de couchage, très bien. Ça. Ah oui, attends. D'abord, on va faire ça. Pourquoi je vais pas dans les onglets, je ne sais pas. Fainéantise apparemment de le faire. Ok, très bien. Bah du coup, c'est bien qu'on ait trouvé de l'eau, parce qu'on l'utilise. Voilà, 5 heures. Voilà. Parfait. Ah, on a bien fait de prendre le cercle de couchage. Oh, je suis content. Putain, ça se passe bien. Oh, c'est fun. Vous imaginez même pas comment c'est fun pour moi, comment ça change la vie de pouvoir se balader n'importe où. Ok. Ah, oh, risque d'endorse. Ah, oh, on doit être à... Ah, oh, putain, 0,6 quoi. 0,6. Est-ce que là c'est bon? De toute façon, on va tirer des balles. Ah, oh, putain. On va tirer des balles, donc... on va se vider. On va se décharger. Allez, c'est parti. Ok, on se baisse. J'espère qu'il fait un beau temps pour qu'on arrive à spotter le loup direct. Je sais pas s'ils ont peur de ça en fait. Donc j'ai pas envie de commencer à looter. Ah non, il a dû partir. Il a
partir. C'est quoi ça? Bon. Oh, sacoche en peau d'élan, mais t'es sérieux? Mais c'est énorme. Non, ça non. Pourquoi pas? Charbon. Mais c'est énorme! On a 40 kilos. Non, attends. Ok, il est là. Ça fera une saloperie de moins. Viens ici. De la chance. Je tire un peu, hein, à tout va, mais quand on sera sur notre dernier chargeur, évidemment, je vais faire un peu plus attention. Mais c'est juste pour tirer, quoi, en fait, c'est pour s'amuser, en gros. Mais bon, c'est vrai qu'on a encore 4 heures à faire, donc peut-être que je devrais faire un peu plus attention. Je crois que je devrais faire un peu plus attention, honnêtement. Je voudrais pas tirer. Si on n'a pas de revolver encore, je voudrais bien trouver un revolver. Ouais, non, faut arrêter de faire ça. Faut arrêter de tirer un peu à tout va comme ça. J'aurais dû attendre qu'ils viennent. Qu'ils viennent plus proche. Ok, donc on a trouvé un sac à dos, c'est énorme, un sac qui est un pot d'élan. Je pensais vraiment pas qu'on allait... Je pensais pas du tout qu'on allait trouver ça. Et on a trouvé les chaussettes de montagne aussi. Porter. Recycler. On va refaire de la couture vite fait. Et après on repart. Je voudrais bien en fait finir notre vidéo sur... Enfin notre épisode... sur un endroit où c'est qu'on a trouvé, qu'on peut dormir. Au pire, on a toujours là, mais bon, enfin, on a toujours ici. Mais c'est un peu embêtant, quand même, de pas trouver de maison. Est-ce que j'avais... Est-ce qu'il y a des trucs par terre que je pourrais récupérer? Parce que du coup, on a de la place. Est-ce que j'ai fait ça? Non, j'ai pas fait ça. On va faire comme ça. Ah, c'est juste pour prendre le tissu. Parce que c'est vrai qu'on a peut-être pas beaucoup de tissu. J'ai pas regardé combien de tissu on avait. 9. 9, c'est pas énorme. Voilà, ça me fera 10. On aurait dû éteindre la lampe, c'est pas grave. Voilà. Hope nobody needs this anymore. On est à combien? 38. Ok. C'est parti, on va... Bah je sais pas. Je sais pas du coup tout. Plus besoin de ça, honnêtement.
Bon. On va où, putain? Là-bas. Faut descendre. Ah, elles sont là, les granges. Faut descendre. Ah, t'es chier, ils sont toujours là, c'est con. Ok, donc maintenant on sait la direction. Ah, dis-moi que c'est un chemin. Yes! Ah, il y a une corde. Let's go! Let's go! Ah, ça fait plaisir. Ah, attends. Oh putain, je me suis dit merde, y a pas de corde. Alors attends, hop. Parce que j'avais oublié de faire ça. On est à 38, on est en bonne. Tout ça. Ok, let's go. Ah, on va devoir faire deux cordes. C'est quoi ça? Ah, c'est un bout de bois. Ah, il y a peut-être une grotte là. Je crois qu'il y a une grotte. On va peut-être trouver des trucs. Oh putain! Ah, ça fait plaisir là, parce que là, du coup, le coup d'avoir trouvé un sac à dos, de sac d'élan là. Putain, on est à 40 kilos. C'est énorme. C'est une grotte ou pas? Pas du tout. Par contre, on a ça. Mais c'est pas du tout une grotte. C'est pas grave. Alors, vous voyez, on va prendre la corde, mais je l'ai déjà fait hein, plusieurs fois. Il y a des endroits aussi. On peut passer par là, en fait. Genre, en longeant la pente et tout ça, en restant collé. Alors, avant, c'était plus simple parce qu'il n'y avait pas ce système où, dès que vous êtes sur une pente, en fait, vous avez un risque de vous casser quelque chose. Avant il n'y avait pas ça, donc c'était plus facile. Maintenant il y a ça, donc bon, vous avez quand même des risques de casser quelque chose. Mais si vous y allez doucement, ça passe. Mais voilà, maintenant il y a un risque quand même. C'est pour ça qu'ils déconseillent, c'est pour ça qu'ils ont rajouté ça, je crois. C'est parce que les gens, ils savaient très bien que les gens abusaient un peu de leur système. Mais vous voyez, là on aurait pu faire droite gauche, tac tac tac, et descendre. On peut toujours le faire, comme j'ai dit, hein, mais bon, voilà. Il y a un risque de se tordre la cheville. Et les poignets aussi, parce qu'à chaque fois qu'on essaye de faire ça, on se tord les poignets et les chevilles. À la limite, je te dirais que ça se traduirait par le fait qu'elle utilise pas que ses pieds, en fait. Elle utilise ses mains pour s'accrocher. Et en gros, c'est simuler le fait de grimper ou de descendre, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'on se casse les deux, même dans des pentes et tout ça. Ok, on est bien. Là-bas, en premier. Et après, on ira à la grosse grange. Je vous montre là ou pas? Regardez, vous voyez? Vous voyez, vous pouvez descendre. Hop là. Vous voyez, vous pouvez le faire toujours. Mais maintenant, il y a un risque. Faut pas. Si vous entendez ça, là, comme elle vient de tomber, ça, c'est pas bon, ça. Voilà. Genre, tomber, c'est dangereux. C'est très dangereux. Tomber, c'est synonyme de se casser un truc très vite. Et ça, c'est dangereux.
Mais si vous glissez comme ça, ça passe. Voilà, trouvé. Ah, je le répète encore, j'aurais tellement voulu packer ce jeu. Genre, il était en Kickstarter et tout ça. J'aurais mis une des pierres là. Comment ça s'appelle, Kame, je sais pas quoi. Et j'aurais mis un message, mais en français. J'aurais dit au développeur de le mettre, mais vraiment en français en fait. Pour que ça soit un peu un truc qui. Oh putain! Oh la vache! Ça m'a fait peur. C'est un signe reçu. Merci. Merci. J'ai eu peur. je crois qu'il y a des bestioles là-bas. Et du coup, voilà, ça aurait été un peu original d'avoir un message... Ah merde. D'avoir un message en français plutôt qu'en anglais. On va d'abord aller au... Là. Donc du coup, on a eu notre insigne. On n'a pas eu l'insigne pour le premier jour. Est-ce que du coup, ça a marché? Normalement, oui, parce qu'on a fait les 2 heures. Et après, on a dormi juste avant de quitter la vidéo, enfin le premier épisode. I'll take it. 75. Je regarderai après ce que veut dire l'insigne. On le prend, ça, ou pas? Le journal, c'est pour faire des fagotins, si on a besoin. Alors lui par contre je voudrais bien me le faire, là. Juste comme ça, pour le kiff. Y'a quoi dedans? Bah tiens, en parlant de fagot, hein. L'avoir eu la première balle. Je pensais pas qu'il pouvait continuer comme ça. Désolé, je buvais. Je pensais pas qu'il pouvait se faufiler entre les modes de paille. Et ce que je voulais faire en fait, c'est aller. Vous savez, l'ouverture où c'est qu'on a trouvé le fagotin là. Là, je sais qu'ils peuvent pas y aller. Mais je pensais vraiment qu'il allait abandonner avant. Et apparemment, il a continué pendant un petit moment. Lui, il voulait vraiment nos fesses, quoi. Il voulait vraiment nos fesses. Aïe, aïe, aïe. Chaka la kaboum. Oh, mon Dieu, il y en a un autre, là. Juste avant de rentrer, on prend les friandises. Ah la merde quoi. Saloperie. On est dans la grange. Alors c'est laquelle celle-là? Ah, c'est avec le camion. Ok, ça marche. Ah, ça pour les fagotins. Ça a changé je crois. Et si on arrêtait l'épisode On va le prendre, après on le posera. Si on arrêtait l'épisode ici. Ah, on va faire le tour de la grange et je crois qu'on va l'arrêter ici. Parce qu'on peut dormir dans la voiture. Donc, et puis on a une grande zone à faire honnêtement. Parce que si on doit aller dans l'autre grange, c'est long. Et ça va durer au moins... facilement, on a encore 30 minutes. On a encore 30 minutes à faire. Donc... Enfin, je préfère les garder pour le prochain jour, vous voyez ce que je veux dire. On va les prendre aussi, après on fera le tri. Ça, on va le prendre aussi. Après, on posera tout, hein, de toute façon. Ouais, non, je crois qu'on va faire ça. Là, on est bien, là, ici. On est bien. Il fait pas trop froid. Combien, ambiant? 20, oh, bah, putain, c'est bon, quoi. Et on peut faire du feu ici, hein, au passage.
Alors on va peut-être même faire du feu ici. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du feu avant de se quitter ou on fait du feu après demain? Enfin, après, virgule, demain. Je sais pas. Ah, on le fera demain. Ça fait déjà 2 heures. Faudrait que j'y pense, je vais me le marquer sur un papier. Comme ça, on fera tout. Non, ça non. Botte de travail usée pour le cuir. Ça serait intéressant. Non, ouais, on fera tout demain. On va juste se préparer. Alors là, on prend tout. Hein. Là, on est plein. On est un peu lourd même, mais ne vous inquiétez pas, on va faire le tri après. Du charbon. Mais ça c'est pour... ouais, c'est pour dessiner celui-là. Je peux aussi dessiner. Tissu. Ah, je suis un peu deg, on a toujours pas de revolver, j'aurais bien, je voulais bien prendre, trouver le revolver en fait. Ok. Alors, pour demain, on va faire ça du coup. Voilà. Ça, charbon, fagotin. Alors attendez, on va. Parce que sinon la lampe elle va s'épuiser évidemment, donc on va faire comme ça. Quand on fait des actions comme ça, c'est mieux de, hein, d'éteindre la lampe évidemment, parce que sinon. Faire attention à notre calorie, parce que j'ai pas envie de perdre le bonus. Ça serait vraiment con de perdre le bonus. Ça c'est fait. On en fait tellement pour rien, c'est pas grave. Voilà. On va en mettre un peu par terre. Voilà, 7. Ça, on jette aussi. Alors là. Alors d'abord, on va jeter ça. On va remplir notre lampe. Ça c'est fait. Très bien. Botte de travail recyclée pour 2 cuirs, 1h30. Recyclée pour 2 cuirs, c'est pas grave, c'est bien. Ok. On n'a pas des vêtements extra, on a... Oui, on a ça. Recycler, cuir séché. Ça, c'est bien les gants de travail, parce que 10 minutes et vous avez hop un cuir, quoi. C'est top. C'est vraiment top. Pour réparer ça, il faut du cuir. Ça, c'est, je crois. Si je dis pas de conneries. Ah, peut-être qu'il faut la peau de l'élan. Mais la peau de l'élan, en fait, celui-là, vous pouvez le recycler. Non, vous avez du cuir. Non, je crois qu'il faut du cuir pour le réparer. Le fusil nettoyé. Ah, très bien. Parce que j'allais le recycler le truc. Du coup, hop, hop, hop. Hop, hop. On peut réparer ça ou pas ? Très bien. N'avait pas vraiment besoin de le faire, mais... On a 9 tissus, il faudrait faire... Le cuir, on en a un peu trop. Le cuir, à 10, c'est le maximum, après on s'en fout, en fait. On a énormément de balles de revolver, ce serait vraiment cool de trouver le revolver. Calories, on est très, très, très bon. On a toujours le bonus.
Repos amélioré, on a toujours le bonus. Donc on va prendre de l'eau, on a trouvé de l'eau en plus, donc on la boit. Donc demain, pour le prochain épisode, on va faire du café. Des tisanes encore un peu, et du café surtout, pour qu'on ait, ouais, on ait des ressources de café, quoi. Comme ça, on peut aller loin, et tout ça. Je l'ai toujours en main, ouais. Alors. Non, c'est pas ça que je vais faire. On range, ok. On range. Voilà. Ah mon dieu, je voudrais bien la placer, mais c'est pas grave, on va la placer comme ça. Oh, un truc que j'ai oublié, les fétous. Oh merde. Oh. Oh mince! On peut pas faire de café. J'ai complètement oublié. On n'a pas de fétou et on n'a pas de boîte de conserve. On peut pas faire d'eau et on peut pas faire de café en plus. Merde. Oh! Ah, qu'est-ce que c'est con ça? Ah, j'ai été vraiment, vraiment con. Bah, ça nous servira à rien de faire du café. Merde. Ça nous servira. Enfin, ça nous servira à rien. Non, c'est qu'on peut pas le faire. Ah mince. Ah mince! I'll take it. Ouais, non, on pourra pas. Temps ambiante, moins un. Vous voyez, il fait froid ici. J'espère que dans l'autre grange, il y a une maison. Ça, c'est une maison, quoi. Il y a, enfin, avec des lits et tout ça. Donc, on a une grande chance. Il y a une cuisine. Il y a une grande chance de trouver quelque chose pour faire cuire. Ah, mais merde. Ah, j'aurais dû y penser. Putain, quel con. J'aurais dû prendre au moins un fétou. Ou alors les boîtes de conserve, on peut pas le faire. Mais on peut les faire, on peut faire chauffer ce qu'on a. Cela, on peut les faire chauffer. Mais bah, c'est tout ce qu'on peut faire, quoi. Donc on va devoir un peu les garder. Ouais. Ah mince. Bah, j'avais pensé à tout, vous voyez que encore ça, j'oublie. On peut même pas faire d'eau, c'est ça le risque en fait. C'est qu'on peut même pas faire d'eau. Ça, c'est un problème. Encore heureux qu'on en a plein. On peut vivre facilement. Hein. 4 heures, là on doit faire encore 4 heures de jeu. On peut très très bien le vivre, mais c'est un truc qu'à penser. Voilà, il faut y penser. Par contre, on va jeter ça là. Il est où le boîte à gants? Bah, très bien. Je crois que j'ai trop d'allumettes encore. Voilà. Bon, bah. Bah, voilà. Voilà, voilà. On va manger et on va dormir. Voilà, c'est bien passé. Donc, le prochain épisode, on continuera dans la Vallée Charmante. On ira à l'autre grange, comme j'ai dit. Et une fois qu'on sera arrivé à la grange, bah on essaiera de sortir encore de cette zone et d'aller autre part. Du coup, je sais pas trop où, mais on va se débrouiller. Je sais pas vraiment où, mais on va voir. On va dormir 8 heures. 8 heures.
Allez. À la prochaine.